Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Dans cette vidéo tuto, comment on fait un terrarium pour des iules, des mille-pattes. Regardez-les, comment elles sont trop mimi. Elles sont un peu stressées. Quand ils se mettent en boule, c'est qu'ils sont en position de défense. Donc je les laisse tranquilles. Et là, le troisième. Ok, position de défense aussi. Bon, on les laisse tranquilles. Aujourd'hui, on va voir comment on va leur faire un super terrarium pas cher. Franchement, maintenir des mille-pattes exotiques, c'est franchement peu onéreux et extrêmement plaisant comme animal. Après une période d'acclimatation, évidemment, sinon ils sont un peu recroquevillés. Je vous renvoie vers le site. Ils sont en provenance de Isopods Mania, parce que vous êtes beaucoup à me demander, ouais, d'où tu. Quand je mentionne pas les sources, vous me les demandez. Donc je vous les donne. Ça vient d'Isopods Mania. D'ailleurs, la semaine du 2 novembre au 9 novembre, c'est une semaine spéciale Yule, semaine spéciale mille pattes. Donc vous avez la possibilité de gagner 10 euros. Enfin, 5 bons d'achat de 10 euros. Juste en allant sur leur Facebook, vous verrez tout ça. Je l'ai aussi mis sur mon Instagram parce que je trouve vraiment que c'est une bonne affaire. Donc profitez-en. Les prix seront cassés. Et cassés. J'aime bien faire cette blague. Et ensuite, ça sera des iules, si vous voulez, nés en captivité qui seront mis à l'honneur. Donc des NC. Donc ça, c'est un bon plan. Je vous renvoie sur le site en question. Il sera en titre de vidéo et en descriptif de vidéo. Isopods Mania. Alors, comment on fait un terrarium? Alors, c'est super facile. En fait, vous prenez une boîte en plastique de votre choix, donc que tu achètes à Ikea ou autre. Alors, en fonction de l'espèce de Yule que tu souhaites, je te renvoie vers Isopods Mania pour leur poser des questions avant d'acheter, pour savoir quel type de boîte tu peux prendre. Là, moi, j'ai pris que des espèces naines, donc qui se contiennent très bien dans des boîtes en plastique, Ikea, Action, ce que tu veux. Beaucoup d'éleveurs recommandent Action parce qu'elles sont beaucoup moins chères. J'en ai aussi acheté quelques-unes de chez Action. Regarde, hop là, j'en ai plein, plein, plein. Et là, ça, c'est pas du Action. Mais bon, je les avais déjà. Mais à l'époque où j'ai voulu y aller, Action, ils avaient été complètement dévalisés, donc il n'y en avait pas. Comment on fait? Alors, c'est méga facile. C'est un substrat que j'appelle de type forestier. On va faire un terrarium forestier. Donc, pour ça, donc il te faut une boîte en plastique. La boîte en plastique, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous allez faire des trous dessus pour créer une aération. Donc, ça, c'est votre terrarium, tu vois. Ou alors, tu peux découper toute la longueur comme tu veux et mettre donc de la toile grillagée. Voilà. Donc, je vous mettrai tout ça en descriptif de vidéo si ça vous intéresse. Ensuite. L'aire de vie du mille-pattes va être aussi là où il mange. C'est un peu comme les cétoines, j'ai envie de te dire. Donc il y a une aire de vie évidemment qui est un peu plus que là où ce qu'il mange. Tu vois, il y a aussi des parties aériennes. Mais en gros, ils vivent aussi dans ce qu'ils mangent. C'est comme ça. Comme le phasme aussi. D'ailleurs, les phasmes, d'ailleurs, j'ai d'autres phasmes que j'ai été prendre, enfin d'autres ronces que j'ai été prendre en forêt pour remplacer donc là. Et du coup, les phasmes, pareil, hein, ils vivent là où ils mangent. Enfin, ils mangent l'endroit dans lequel ils vivent, j'ai envie de te dire, entre guillemets, on se comprend. Donc là, il va falloir. Ah, regarde, elle est en train de se déplacer. Trop trop cool. Hop là. Trop 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 cool. C'est mignon, j'aime bien la sensation. Pour constituer le sol, donc tu vas en forêt où si tu n'as pas envie de te prendre la tête, sur le site Isopods Mania, ils te vendent un substrat déjà tout prêt et qui est absolument parfait. Mais moi j'aime bien me rendre en forêt, voilà, ça me fait une petite balade et ça me permet de faire aussi un truc naturel. Mais le substrat qu'ils ont en vente, je dirais même qu'il est encore mieux parce que, regarde, ils doivent avoir des machines ou quoi qui leur permettent, si tu veux, de broyer ça en petits copeaux et plus c'est coupé en petits bouts, mieux c'est, notamment pour les jeunes reproductions. Donc il va te falloir trois types de choses. Alors, du humus de forêt. Voilà, du humus. Donc, si tu veux, c'est la terre en décomposition. Avec, tu sais, c'est un mélange de terre, de bois mort, de feuilles qui est au pied des arbres en forêt. Tu sais, c'est une sorte de terre un peu gadoue en fonction du taux d'humidité, évidemment. Du bois pourri. Donc là, tiens, ça, je vais le garder, je vais le mettre de côté, je vais le mettre dans le côté des mousses. Du bois pourri, donc le bois en pourri, en gros, c'est du bois blanchi, comme certains disent. Il faut qu'il s'effiloche totalement, tu vois. Là, comme là, il est clairement, voilà, laisse tomber. Ou là, celui-là, regarde, celui-là, tu peux le prendre avec une main. Voilà, tu vois, il est complètement, voilà, ça, c'est parfait. Voilà, donc du bois pourri, voilà, hop. Ensuite, il te faut des feuilles de chêne sèches.
Faut vraiment qu'elle soit sèche, hein, pas verte. Tu peux prendre soit comme nous on a fait, donc une feuille, comment dire, un arbre, une branche qui a été coupée, enfin, qui a été arrachée, ou qui est au sol, qui est tombée. Et du coup, les feuilles sont sèches, ou alors celles qui sont au sol. Tu peux les ramasser, celles qui sont au sol, et qui sont un peu humides. Hein, bon. Tu voilà. Ensuite, tout ça, vous avez la possibilité de le mettre au four. Beaucoup de personnes mettent au four. Moi, honnêtement, je le fais pas. Voilà, franchement, je mets pas au four. Je garde, même s'il y a des microbactéries, tout ça, des micro-organismes, moi, ça me gêne pas. De temps en temps, je vous avoue, c'est comme j'ai constaté chez les cloportes, il y a une araignée. Bah, quand tu vois qu'elle est trop grosse, tu la retires. Des fois, il y a même des trucs cool, des petits escargots de forêt et tout. Franchement, rien de vraiment dangereux ou pathogène pour vos yules. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci avec ça. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, on y va. Vous mélangez le tout, le plus possible le tout à fond, en petits bouts. Donc le humus, hop là. Et en fait, vous allez tout simplement le mettre dans la boîte. Il y a même, c'est franchement super facile. Là, il n'y a pas trop à tortiller. Franchement, c'est facile. Vous mettez comme bon vous semble, en fait, j'ai envie de te dire. Parce qu'après, ça, si tu veux, c'est leur heure de vie. Tiens, je vais mettre le gros bois peut-être après. C'est leur heure de vie et du coup, du moment qu'il y a ces éléments-là, peu importe comment tu vas les positionner, ça c'est pas le plus important. Le comment tu vas le positionner, ça c'est l'œil humain. Elle, la hule, elle va se contenter. Tiens, ça c'est vert, je vais le retirer. Elle va être heureuse dans ce que tu vas lui donner du moment qu'il y a ces éléments-là. Et elle va se plaire. Voilà. Tu mets, t'es pas obligé de mettre une grosse grosse couche, je dirais qu'une dizaine de centimètres, c'est très bien. 10, 7, 10 centimètres, c'est très très bien. Hop, hop. Voilà. À noter qu'une boîte qui a un petit peu de hauteur, c'est pas mal. Alors mon sol est propre, hein. Je me permets de mettre les trucs par terre parce que c'est du sol propre, c'est pas lavé avec des produits chimiques. Hein. Faites très attention aussi. Alors si vous faites ça chez vous, vous mettez une bâche. Si vous l'avez avec de la javel et tout ça, voilà. Si vous l'avez qu'avec des produits bio ou quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Genre du vinaigre, vous pouvez mettre à même le sol, c'est pas très très grave. Hop, voilà. Donc voilà. Là, une fois qu'on a mis notre petit mélange, on rajoute des feuilles sèches. Donc alors hop, là, ça va être compliqué avec une main. Si ça va, j'y arrive. Voilà, là j'ai mis plein de feuilles. Hop, je mélange bien tout. Je mélange bien tout à fond. Il faut bien 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 humidifier la première fois. Alors la hule, très important, ne vit pas dans un milieu détrempé, elle vit dans un substrat humide. Mais celui-ci, là, le mien, là, il est sec. Hein. Ça se voit peut-être pas. Il est pourri, donc voilà, mais il n'est pas assez. Donc la première fois, moi je dis, il faut bien que ça soit humide. Juste la première fois. Hein. Après, là en fait, là tu as l'impression que c'est mouillé à fond, mais c'est juste le dessus. Après, ça va aller se propager en bas et ça va tout humidifier. Voilà. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est la première fois. Les autres fois, vous vaporisez. Une fois de temps en temps, ça suffira largement. Une fois que vous avez donc cette première partie, vous pouvez ajouter ensuite des éléments de décoration, donc faites-vous plaisir, vous prenez des mousses par exemple, ou des plantes, hein, si vous aimez bien les plantes, vous pouvez mettre des plantes qui vont se plaire, tu vois, tu mets des belles petites mousses comme ça, moi j'aime bien les mousses, hein, donc je trouve ça joli, en plus ça se plaît bien dans un milieu enfin, très humide, donc là comme la boîte c'est parfait, hop, voilà, ce bois-là je le kiffe. Alors moi ce que j'aime bien, c'est ajouter des zones de vie aériennes. Parce que même si c'est un animal qui vit sous enfin il aime bien aussi, il aime plutôt sous terre, mais il peut être aussi à la surface. Et il ne faut pas hésiter, parce que certaines hules ne sortent pas et tout, parce qu'elles n'ont pas de zone aérienne. Là, il ne faut pas hésiter à mettre des zones un petit peu hautes. Comme ça va permettre à la hule, si tu veux, d'aller dessus tout simplement. Tu peux aussi mettre une écorce. Quand tu mets une écorce en général, c'est super cool parce qu'elles vont beaucoup vont être en dessous. Donc quand tu voudras les voir, tu auras juste à soulever et tu verras qu'elles squattent en dessous. Voilà. Alors moi j'aime bien mettre des zones un petit peu. Attends, je vais mettre plein plein de mousse. Des zones bien vertes, comme là. Hop. Là je regarde ce que j'ai trouvé de beau en forêt. Voilà. Tu peux les désinfecter les mousses hein, en les passant dans l'eau, il n'y a pas de souci avec ça. Si tu es craintif, si tu sens que voilà, tu peux les passer dans l'eau, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Tu les passes dans l'eau, comme ça, elles vont pouvoir. Enfin, tu les passes dans l'eau avec une petite goutte d'eau de javel, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose, ça fera pas de mal à la mousse. Et au moins, tu es sûr qu'elle n'aura rien. Je cherche une autre petite branche pour faire un petit peu d'aérien. Voilà, alors moi j'aime bien le côté un peu forestier, tu vois, parce que j'aime bien se donner ce côté-là, alors même si elles sont. Un petit peu, on va dire, hop là, voilà, comme ça. Là, tu vois, ça c'est pas mal, moi je trouve. Attends, tac, voilà, tac, tu vois, là, il y a une petite zone dessus. En gros, concrètement, attends, je vais te filmer de près.
La hule, après, aura la possibilité d'aller marcher là-dessus, d'être, de faire donc d'avoir une zone de vie aérienne. Ok, alors attends, on va casser cette branche-là. Hop là. Tac, on va la croiser comme ça. Et voilà. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Franchement, je trouve ça super mignon. Là, après les mousses, ça vont recouvrir le bois ou sinon tu peux mettre comme ça par-dessus. Hop là. Voilà. Et là, du coup, tu as plein de zones aériennes. Je sais pas si tu vois. Et pouvoir être en dessous, par-dessus. Là, elles vont bien s'éclater. En nourriture, alors qu'est-ce que ça mange? Ça va se nourrir du bois en décomposition, des feuilles en décomposition. Tu peux rajouter d'ailleurs à ce sujet une petite feuille pour faire joli. Tu peux rajouter des feuilles comme ça. C'est toi qui vois. Hein. Parce que de toute façon, il y en a déjà dans la déco, si tu veux, de la feuille. Enfin, voilà, tu peux mettre un petit coin comme ça, un peu de feuilles. Tu peux leur donner aussi des fruits, des légumes, des bananes coupées en petits bouts, des courgettes, des courges, tout ça que tu coupes en petits bouts et que tu mets dans une zone. Alors moi, je te conseille de mettre que dans une zone voilà, et tu attends. Ça mange pas des masses, hein, franchement, ça mange pas énormément. Et donc, tu peux te permettre de leur donner, voilà, quand tu manges des carottes, bah, tu vas couper peut-être un petit bout de carotte, tu poses et t'attends qu'elles les mangent, tu vas voir, elles vont aller grappinouiller dessus. Donc, en termes d'alimentation, c'est franchement facile, hein, tu vas pas gaspiller des fortunes et c'est pas très compliqué à donner à manger. Le terrarium en lui-même aussi, il est méga cool. Ça se plaît à température ambiante. Alors, quand je dis température ambiante d'un appartement. Tu peux pas mettre des hules dans un garage, ça va être beaucoup trop frais, vu que nous, ce sont des espèces exotiques. Donc, à partir du moment que tu vis dans un appartement français normal et qu'en hiver, ça descend pas en dessous de 10, on va dire, il n'y aura pas de souci, t'as pas besoin de chauffer. Disons que la température top c'est autour des 20, dans les 20 degrés, c'est vraiment cool. Bah après, écoute, mon ami, tu n'as plus qu'à les introduire. Hop là, moi je vais les mettre comme ça dans ce coin là pour pas défaire la déco que j'ai fait. Hop, tu vois, là il y en a une qui est déjà tombée là, regarde, tu vois, là elle est là, hop là, on la voit, tu vas la mettre là. Tac. Au début, tu vas pas trop les voir sortir, hein, surtout quand elles sont petites. Elles seront plus allées... Quand elles seront un peu plus grandes, elles sortiront un peu plus. Là, voilà, là je me dis humidifié à fond, c'est juste la première fois. Hein. Après, je suis en mode cool, hein, rassurez-vous. Mode cool, c'est une fois par semaine ou deux, tu vois. Faut que ce soit un petit peu humide, mais pas trop. Humide, mais pas détrempé. Voilà, voici la règle d'or. Humide, mais pas détrempé. Une fois que vous avez ça, bah regardez, votre terrarium à hule, il est fini. Voilà, vous avez un petit bout. Regarde, ça, c'est une petite boîte comme ça. Regarde, tac, tranquillou. Une petite boîte, voilà. Elles n'ont pas besoin de lumière, il n'y a pas besoin d'UV, enfin de lumière, juste la lumière, température, lumière ambiante, c'est parfait. C'est un animal qui est vraiment très 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 simple à vivre et très très intéressant à observer. Là, elles viennent d'arriver et d'être acclimatées, donc c'est pas là qu'elles vont être le plus folichonnes. Là, tu vois, regarde, quoique on va la voir un petit peu. Mais dans quelques temps, elles vont vraiment vraiment être à l'aise et vraiment cool. Et bah moi, je vous dis à bientôt dans ces autres vidéos dans lesquelles je vais vous montrer. Voilà, si vous voulez bah, une suite, c'est à vous de me le dire. Mettez-le en commentaire ou manifestez-vous avec des likes et tout pour me manifester votre intérêt pour les mille pattes. Regarde. C'est trop trop mignon, on est en train de partir. Hop là. Et comme ça, donc je pourrais vous donner des retours, des suivis dessus. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Regarde, je vous emmène dans ce petit bout de forêt. Cette espèce est absolument magnifique. Magnifique.